Comptoir de l'Image, donc, c'est un groupe composé de 4 sociétés. Donc, société qui a été créée à l'origine à Nice en 92, qui a déménagé sur Paris en 93. Aujourd'hui, Comptoir de l'Image, c'est 50 collaborateurs, 8 millions de chiffres d'affaires, basé en région parisienne sur un site d'environ 4 500 m². Nous avons Comptoir de l'Image, société spécialisée dans l'impression numérique, petit, moyen, grand format. Apsis, qui est un bureau d'études spécialisé dans la signalétique tertiaire. Et Comptoir Design Lab, qui est vraiment une structure, elle, spécialisée dans l'agence architecture commerciale, stand, mobilier, shopping shop. Et dernière structure, Domimage, qui est, elle, plutôt dans le goodies. On a commencé comme imprimeur, effectivement. Maintenant, aujourd'hui, on est plutôt une agence adossée à une imprimerie, je dirais. Aujourd'hui, on met l'accent, les efforts, les moyens sur les ressources humaines, sur les équipes, la création, la direction artistique, 2D, 3D. Donc, on met l'accent sur toute cette création, conception, sur mesure, adossée à une imprimerie. On a le savoir-faire, on sait imprimer, on sait gérer toute la confection, la finition, mais voilà, on est plutôt dans la création-conception. Depuis plus de 15 ans, on est un peu spécialisé dans la partie décoration, hôtelière, maison de retraite, tout ce qu'on appelle hospitality, donc création, conception, installation aussi sur site. On touche tout ce qui est vitrine, retail, où là aussi, ça nécessite de plus en plus de sur-mesure, et on sort un peu des supports classiques, vinyle, PVC support, où là aujourd'hui on doit un peu se démarquer, donc avec du mobilier, des matériaux dits exotiques. Donc voilà, ce sont nos deux grands axes aujourd'hui, la décoration hôtelière, où on est référent aujourd'hui chez des gens comme Accor, comme Barrière, comme Club Med, comme Corian, comme Domus, et puis après la partie retail, où là on traite avec des agences ou les grands comptes en direct. C'est vraiment la réactivité, le service, l'accompagnement, la préconisation auprès des clients qui aujourd'hui sont peut-être un peu perdus avec toutes ces nouveautés de support, de technologie, de contraintes. Donc aujourd'hui, notre rôle est vraiment de les accompagner, de les conseiller en fonction de leur cahier des charges, de leur budget et de leurs attentes. De plus en plus, on est considéré comme une boîte à outils où on fait du sur-mesure, où on part d'une feuille blanche. Et aujourd'hui, grâce à la technologie, grâce aux prestataires, on est capable de faire beaucoup de choses, des petites séries comme des grandes séries. Donc on traite aussi bien le luxe comme des marques moins luxueuses ou comme de l'éphémère. Donc aujourd'hui, on a un champ d'action qui est très large, qui est très vaste. Donc pour des gens, je dirais, passionnés comme nous, je dirais qu'il y a un terrain de jeu très intéressant.